Il est 7h56, bonjour Philippe. Bonjour. Jean Castex, notre Premier ministre, est donc resté pour votre chronique. Eh bien, ravi de revoir le Premier ministre, parce que vendredi, on a quand même reçu le Président de la République. Il n'y a pas grand monde au-dessus. Hier, on redescend un peu, parce qu'on a juste reçu le ministre de l'économie. De mémoire, c'est M. Le Maire Bruno. Tout à fait, ministre de l'économie, écrivain et jogger, semi-professionnel. Et ce matin, Alba, on relève le niveau avec un Premier ministre, c'est bien. Bon, c'est vrai que nous sommes à 12 jours d'une date importante pour les Français et pour notre invité. Oui, il est fort possible que dans 12 jours, Jean Castex rentre dans le bureau d'Emmanuel avec deux bouteilles de champagne. Une pour fêter la victoire et une pour fêter ses grandes vacances en lui chantant. Au revoir, Président. Alors, on a vu passer tous vos ministres ici, Jean, les Darmanin, les Le Maire, les Pompili. On sent qu'ils veulent rester, vos ministres. Oui. On sent qu'ils veulent refaire un petit tour de manège. Alors que Premier ministre, c'est un job tellement dur. T'es sous pression permanente. C'est comme chirurgien, ou pilote d'avion, ou bretelle de Gérard Larcher, ou bas de contention de Jacqueline Gourault. T'as une pression de dingue au quotidien. Alors écoutez, Jean Castex a été au cœur d'une petite polémique pour avoir pris un Falcon de la République dimanche afin de voter à Prades et de retourner à Paris 2 heures après. Oui, c'est pas Jean Castex, mais Tom Castex, dit Maverick. Le Tom Cruise de Matignon. Le Saint-Exupéry des Pyrénées-Orientales. Le Roland Garros de la République. D'ailleurs, il est venu avec son jet ce matin. Je peux vous dire qu'il a galéré dans le parking de RTL. Ah bon ? Je crois que vous avez rayé la Kangoo de Nicolas de Tavernos avec votre aile gauche. On fera un constat, c'est pas grave. Oui. Mais ils sont marrants, ceux qui critiquent. Il fait ce qu'il veut, Jean. Il est de la République en marche, pas des écolos. C'est pas Greta Thunberg. Puis il est rentré, il nous l'a dit, pour bosser. Et pas rentrer vite pour voir les visiteurs de Manchoir à la Téloche, à Matignon. On aurait quand même aimé être une petite mouche pour savoir comment s'est passé le vol. Je vous le fais, si oui, vous voulez. Oui, allez-y, je vous en prie. Et c'est votre commandant de bord, Jean-Baptiste Djebari. Bienvenue sur Castex Airlines. Avant de nous poser à l'aéroport international de Prades, nous ferons une petite escale en Espagne pour déposer Jean-Michel Blanquer à Ibiza. La température extérieure est égale au dernier sondage de popularité d'Anne Hidalgo, moins 25. Nous allons décoller à 8h32. L'atterrissage devrait se faire aux alentours de 8h35. Je pense que j'ai assez bien résumé la chose, à peu près. Alors, Valérie Pécresse a déclaré qu'elle était endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros et elle a lancé un appel pour rembourser sa campagne. Donnez-moi. Dis donc, ça va la Sistana? C'est pauvre, hein, je vous jure, hein, toujours à réclamer. Hein. Bon, elle avait 10 millions de patrimoine, il en reste 5. On est loin du HLM et des coquillettes quand même. Alors Valérie lance un appel au don à tous ceux qui ont voté pour elle. Mm-hmm. Je vous ai emmené à la branlée avec brio, mais j'ai totalement oublié de vous dire, c'était payant. Voilà. Alors dans ma vie, j'ai donné un petit peu au Resto du Cœur, j'ai donné à des SDF, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aider une riche. Et c'est vrai que c'est une expérience qui me tente, on ne pense pas assez aux riches. Oui, Valérie Pécresse a expliqué sa défaite par ces mots. J'ai dû batailler sur deux fronts, le camp du président et le camp des extrêmes. Oui, alors ça aurait été bien, on aurait dû le faire en amont, on aurait dû prévenir Valérie, c'est que le principe d'une élection, c'est qu'il y a d'autres candidats. Oui. C'est la démocratie. Ça en fait le charme et la difficulté. Bien sûr. Il y a d'autres gens qui se sont inscrits, personne ne l'a dit, sinon ça s'appelle une dictature, comme en Russie ou certains pays d'Afrique. Oui. Ce n'est plus une élection suffrage universelle, c'est un coup d'État, hein. C'est autre chose, on est sûr de gagner. Alors de son côté, Yannick Jadot a également lancé une cagnotte pour sauver son parti. On a l'impression que Nagui et Sophie Davant vont débouler à tout moment. Oh oui. C'est fou les écolos, hein. Ça conduit pas, ça achète pas d'essence, ça mange pas de viande, ça trouve quand même le moyen d'être endetté. Alors Jean Lassalle, lui, n'a pas lancé de cagnotte, car sa campagne lui a coûté 12 euros. 12,38 €, c'est le seul candidat qui n'a pas peur d'être sur la paille, vu qu'il en vient et qu'il est retourné, qu'il est très bien comme ça. Jeannot, il a fait 65%. À Lourdes, c'est cher. 24% à Saint-Jean, Saint-Jean-Fouillot. C'est dans ces petits villages qu'on parle dans cette langue mystérieuse. Langue des terroirs, des campagnes, monsieur Calvi. On termine avec cette soirée. Ce soir, M6 fête bien entendu ses 35 ans au Palais de Tokyo. Palais de Tokyo, c'est un musée, je dis ça pour Louis Baudin. Il n'y aura pas de stand de massage naturiste à quatre mains. Ce soir, si on a le malheur d'avoir une hôtesse asiatique, on peut retrouver Louis sans slibard au buffet. Je veux être là pour voir ça. L'œil de Philippe Cabrivière, que l'on retrouvera demain dès 7h55. Merci d'être resté avec nous, monsieur le Premier ministre. Bonne journée à vous, bon Merci travail. À vous. On va tout de suite fermer.